6, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et test d'un casque audio plutôt intéressant. Il s'agit du Bludeo à Fuisson. Je suis désolé car en fait dans la vidéo, enfin la caméra n'arrive pas, avec le trépied, j'arrive pas à voir tout le package car il est assez imposant. Donc il s'agit du Bludeo à Fuisson, bien sûr, un casque hyper intéressant. On aura l'occasion de le découvrir ensemble. Je voulais remercier bien sûr mon partenaire Banggood qui m'a envoyé ce casque gracieusement et je le remercie. D'ailleurs, il y a encore d'autres vendeurs qui m'ont contacté pour que je puisse tester d'autres produits et ça fait plutôt plaisir et franchement, ça fait du bien quoi. Ça fait du bien de ne pas acheter les produits de temps en temps car c'est un peu la ruine en ce moment. Voilà. Bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à ma chaîne, un pouce bleu, ça fait énormément plaisir et ça vous coûte rien. Mais moi, ça me coûte énormément et ça fait énormément plaisir. Et je sais que vous me suivez de plus en plus. Et voilà, donc ce que je fais aussi plaît également et c'est plutôt agréable. Voilà, je vous retrouve juste après donc le petit jingle, bien sûr, pour qu'on puisse suivre le déballage et la présentation ensemble. Donc obligé de procéder de la sorte, vous voyez je suis obligé ici, malheureusement le carton est assez imposant, donc vous voyez ANC, Ultra Big Driver, son Wi-Fi, Line In Out, adaptatif et une batterie de 1300, non, la durée de la batterie est de 1300 heures standby. Donc Bludeo ici, vous voyez, donc équipé d'un Bluetooth 4, là, donc il vous montre un peu ce petit diagramme au niveau des dB de son. Voilà, pourquoi pas. Je vous laisse regarder un petit peu le petit schéma ici. Donc là, c'est un petit peu le design ici, tac, vous voyez. Il n'y a rien de particulier, si ce n'est que c'est une très très belle boîte. Donc ça, c'était le couvert et la boîte ici qui est un peu de relief, qui est plutôt agréable et qui s'ouvre par là. Voilà. Et là. On va faire. Voilà. On va laisser ça comme ça. On va peut-être baisser un peu la lumière parce que. Ah, voilà. Voilà. Comme ça, c'est plutôt agréable. Il ne faut pas non plus trop forcer sur la lumière, ouais, même comme ça, hein. Pourquoi pas, voilà, bon, je vais éteindre complètement, parce que ça a l'air de passer sans lumière. Donc là, vous avez le casque qui est ici, qui est plutôt agréable, et on aura le temps donc de le découvrir, il est assez lourd, hein. Wow, ça pèse, hein. Donc là, j'ai rien d'autre. Voilà, donc là, rien du tout. Et ici, on a un petit manuel d'utilisation ici. User manual. Ouais, il a du mal, hein. Il a du mal à suivre. Donc, vous voyez, français, il y a bien du français. Donc, bouton de multifonction. Je vous explique un peu le fonctionnement, vous voyez. Très, très bonne chose, et là vous avez les caractéristiques qui vous fait voir. Donc, je sais que voilà. Donc, Bluetooth 4.1, 10 mètres de portée. Ah, ouais, non, ça c'était de l'espagnol, mais c'était plus à la fin. Hein. Voilà, c'était là. Temps de musique 30 heures, c'est énorme, l'autonomie. 30 heures, temps de musique 30 heures. ANC active environ 60 heures, temps de charge 2 heures. Voilà. Donc vous avez toutes les caractéristiques, les profils A2DP, AVRCP, HCP, HFP. Plutôt très très bonne chose. L'impédance, les drives, tout y est, vous voyez, réponse de fréquence, sensitivité. Autonomie en veille, 1300 heures. Autant dire illimité quoi, le truc. Truc de dingue quoi. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc ici on retrouve
petit câble micro USB 2. Voilà. Vous voyez. Ouais, c'est plutôt pas mal, qui est extra plat, qui est joli. Et là, donc un jack 3.5, jack 3.5, si vous voulez aussi écouter sans le son fil, je veux dire avec un câble. Voilà, c'est très très bien que ce soit fourni comme ça. Et le must du must, bien sûr, vous avez un sac de transport très 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 agréable. Vous voyez. Très très doux. Donc là, on peut glisser. Hop. Ce trépied, il va falloir que je le change parce qu'il n'est pas très stable et ça commence à me gaver. Donc, vous voyez, là, vous pouvez mettre les câbles ici et là, vous pouvez mettre en fait le téléphone. Donc, hop, de ce type, comme ça. Vous voyez, vous avez une poche à l'intérieur. En fait, vous glissez les câbles ici et vous mettez ici le écouteur pour que ça soit pas abîmé. Donc on va remettre ça ici et ça là. Tac tac. Voilà. La petite boîte qui va avec à l'intérieur. C'est plutôt sympathique. Voilà. Boudéo. C'est une très très bonne marque, j'en ai eu déjà des Boudéo et c'est vrai que c'est agréable. Donc là, vous voyez, donc là, le casque, vous voyez ici, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Donc là, tac, c'est pour l'étendre. Donc là, c'est pour on/off, vous voyez ici, bouton allumage. Je vais peut-être mettre un peu de lumière. Non, c'est trop. Reste en son lumière. Arrête. Arrête de compliquer les choses. Donc, vous voyez. Donc là, bouton cliquable également ici. On, off. De l'autre côté, F800. Il n'y a rien. Et ici, en bas. Donc, on a le jack 3.5 ici. Il y a ici des grilles haut-parleurs. Là également. Ouais, il est beau, hein. Il est beau, vous savez, hop. Donc là, c'est du métal. Pour info, donc, je vous mettrai un lien d'achat dans la description, bien sûr, de ce produit qui vaut moins de 60 euros. Et franchement, c'est un casque qui est super, super, super beau. Donc là également, vous avez un petit bout de plastique ici. Tac, et vous en avez un autre ici. On va enlever, tac. Donc, l'idée, vous voyez, affuissant. Plutôt agréable, hein. Donc c'est tout simple, hein. Ici vous l'allumez, puis voilà. Donc on va faire l'appairage avec, on va le faire, on va le faire directement, comme ça en direct. Vous voyez une petite LED ici qui s'allume en vert. Voilà. On va regarder notre Leeco S3, est-ce qu'il capte du Wi-Fi. Alors, j'ai changé la RAM en fait qui était d'origine. J'ai mis la Warfred qui est très très bien parce que elle est super bien traduite et franchement je regrette pas. Voilà, vous voyez Warfred. Donc dites-moi, je sais plus, il y a un abonné qui m'a parlé de cette ROM. Je l'ai installée et franchement elle est super stable, beaucoup mieux que celle d'origine. Franchement, qui vient avec le téléphone, qui a plein de bugs, qui peut gâcher le plaisir, on va dire, d'utilisation. Donc, alors, on va aller au Bluetooth, ici. Est-ce qu'on veut voir quelque chose? Donc, vous voyez ici, on a une petite LED verte. Aucun appareil actualisé. Alors, j'ai pas lu le guide, hein. Je fais à peu près comme tous les autres. Peut-être appuyer ici pour que ça clignote. Voilà. Vous voyez, ça clignote vert bleu.
Voilà, un fuisson envoyé. Un fuisson maintenant, il apparaît ici. J'entends. Hein. Association. Voilà, period. Vous avez entendu, enfin je ne sais pas si vous avez entendu, mais en fait vous vous allumez, vous appuyez long ici, donc pour justement enclencher l'appairage entre le téléphone, et là on voit que c'est allumé, et c'est connecté entre le téléphone et le casque. Voilà, donc je vous fais écouter un titre, bien sûr, de musique gratuite. Malheureusement, j'ai pas trop de droits pour les autres musiques. Mais ça vous permettra de vous rendre compte que le son est très bon. Par contre, l'écouteur, enfin le casque, sert vachement au niveau de la tête. Je pense que c'est pour réduire aussi les nuisances extérieures. Voilà. Et le son est très très bon. Je voulais vous faire voir également les finitions. Alors, il est très beau, mais qu'est-ce que ça prend les tasses de doigts? Vous voyez tout le noir laqué ici, tout ce qui est argenté ici, ça prend énormément de traces de doigts. Vous voyez là aussi, là également. Vous voyez là, c'est pareil. Vous voyez, c'est ça prend énormément les traces de doigts. Là, qu'il est super beau, mais bon, pour quelqu'un qui est maniaque un peu comme moi, bon, vous allez passer votre vie à l'essuyer, quoi. Le truc. Et vous voyez, je suis à fond et là que il y a du très très bon son. Au niveau de la tête, vous voyez ce que ça fait. Vous voyez le casque qui tient super bien. Qu'est-ce que en fait vous avez ici un système. De fil en acier là qui sert en fait au niveau du casque pour permettre vraiment de ne rien écouter à l'extérieur, et c'est vrai qu'on écoute, on n'entend rien, tout ce qui est bruit autour on n'entend rien. Ce qui fait aussi l'avantage de ce casque, moi je trouve que c'est qui est un peu grand, mais qui est très efficace, notamment au niveau des transports en commun, pour ne pas entendre la voix du métro, la voix du tramway. Plutôt les gens qui sont autour, quoi. Voilà. Laisse voir de l'autre côté. Voilà, ici. Donc là, vous faites pause. Et tac. Vous voyez enclencher ici. Voilà. Yeah, 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 yeah. Non, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Dites-moi aussi, vous, au niveau des commentaires, ce que vous en pensez de cette forme. Est-ce que vous trouvez ça big, un peu de se balader comme ça avec un casque qui est assez énorme quand même, qui est un peu mastoc, ou ça vous gêne pas, pas plus que ça. Vous mettez peut-être les intra-auriculaires. Mais c'est vrai que l'avantage de ce casque, c'est qu'on n'entend vraiment rien aux alentours. Ça, c'est très agréable. Alors, la conclusion pour ce affuissant de chez, on va dire, de chez Bluedeo, appui long pour éteindre. Voilà, power off. Donc en fait, le langage est en anglais. Bah écoutez, vous voyez, quand il est rangé comme ça, c'est super compact et c'est très très agréable à ranger dans son sac de transport qui fournit avec. Voyez, et qui est plutôt agréable. Moi, franchement, je vois que du positif. Et au niveau de l'autonomie, au niveau du son, au niveau de la réduction du bruit, moi, j'en vois que des choses positives. Au niveau, franchement, de la conception également, il est super agréable. Alors, vous voyez, les cerceaux ici qui sont en haut sont faits exprès, vous voyez, pour justement
donner une pression au niveau des oreilles pour que le casque soit bien serré et afin que vous ayez vraiment à son optimum au niveau de la qualité. Et franchement, ça fait plaisir. Moi, j'ai qu'à vous le conseiller. Franchement, ce casque, il est super, super, super qualitatif pour le prix. Parlons bien sûr du prix, hein. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais vous avez ici en fait le port de rechargement du téléphone, bien sûr. Donc j'avais oublié d'en parler tout à l'heure. Au niveau du prix, oui, donc le prix, je vous mettrai un lien d'achat dans la description. Il est inférieur à 60 euros. Donc 60 euros, franchement, vous avez un super casque Bluetooth avec une autonomie démentielle, quoi. Donc une autonomie de dingue. Voilà les copains. Bah écoutez, j'ai fini avec ce test du A800 de chez Bluedeo. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Google plus Instagram. Abonnez-vous à ma chaîne. Un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et partagez, partagez pour qu'on puisse être de plus en plus nombreux. Voilà, bisous à tous et je vous dis à très vite.